Jeanne de Poix et les terres que vous foulez ont une importance considérable dans la question des origines de la Renaissance en France et de la diffusion de l'art italien dans notre pays. Rien de moins que ça. Et puis j'ai servi pas moins de 3 rois. Je me suis permis de le leur dire, monsieur Raoul Delannoy. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Bien, puisque vous êtes là, je vais vous raconter mon histoire. Tout d'abord, seigneur de Morvillers, je suis le 2e fils de Thomas Flamenc et de Marguerite de Neuville-Matringhem. Je vous dis cela pour vous faire comprendre que notre famille était liée à l'une des plus grandes familles échevinales d'Amiens. Et oui, j'ai été aussi l'un des nombreux serviteurs du duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, Charles Téméraire, oui, mon jeune homme, oui, il l'avait sur les bouts de la langue. Charles. Il y en a qui se préviennent des brochettes de lutin. Ça se regarde dans leur œil. Avec toi. Non, c'est rien du tout. C'est pas nous. Je n'ai pas dit que c'était vous. Ils ont gardé l'âme et l'ingénuité des enfants. Allez, venez, messieurs, dames. Je vois une figure étrange par ici. Nous allons contourner large. Venez, venez par ici. Rentrez chez vous, bravement. Il faut pas traîner ici le soir. Surtout le nombre que vous êtes. La comtesse noire, elle se nourrit de votre rancœur, même si vous la cachez. Et sa colère détruit le monde vivant. Oui, c'est votre rancœur qui détruit le vivant. Tous les soirs, elle sort de son tombeau. Elle parcourt le donjon, elle erre dans les douves. Malheur à qui croit son chemin, elle l'entraîne jusqu'à son tombeau. Mais quand elle ne reconnaît ni son mari, ni son amant, elle écrase la tête de l'intrus entre deux pierres. Vous êtes complètement inconscient de mener ces gens-là le soir. Messieurs, dames, allez, pardon, avançons s'il vous plaît. Venez, nous allons essayer d'aller vers le château. Nous sommes partis. Le sphère, as-tu? Tout va bien? Pour le moment. Approchez, messieurs, dames. Tenez, messieurs, dames. Ici près, ce sont des oubliettes. On y a découvert, il y a une dizaine d'années, 2 squelettes, l'un à l'autre attachés. Les victimes de la vengeance du châtelain de Folleville, probablement. Je vous en prie, ne bougez plus, n'avancez plus si vous tenez à la vie. Le soleil a disparu. Les chauves-souris commencent à errer à travers les murailles. Partez! Partez! Plusieurs avant vous sont péris. C'est là qu'elle demeure. Tenez. Là, c'est son ombre. C'est la comtesse noire. Si vous ne pouvez pas partir avant qu'elle vous arrive, écoutez-moi. Je sais ce qu'il faut faire pour qu'elle ne vous attrape pas. Changez-vous en statue. Surtout les hommes. Généralement, elle s'en prend qu'à eux. Ne bougez plus! Ne respirez plus si elle est proche de vous. Surtout, suivez mes conseils. Ne bougez plus! Mais, pendant qu'il est encore temps, fuyez! 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 Non, messieurs, dames, ne bougez pas. Je pense que ce soir, vous devrez aller. Laissez-moi vous dire, pendant que nous sommes ici, un mot sur ce château. C'était... un château, une forteresse quasiment imprenable.
Il était protégé, ou cette forteresse était protégée par des douves extrêmement profondes. On y accédait par un petit pont-levis, un peu plus loin, un petit pont-levis très étroit. Il appartenait à Gaspard de la Roque, qui en était le seigneur. Il avait épousé Blanche de Sénancourt, une jeune femme orpheline. La raconteuse a dit vrai. Messieurs, dames, je suis désolé, je pense qu'on va pas pouvoir entrer dans le château. Nous allons contourner par là, s'il vous plaît. Venez, venez par ici. Oui, j'ai envie de regarder. Attention ici. Mesdames, messieurs, après des années encore, avant de m'éteindre, morte de chagrin et de honte. Venez, venez, venez. Il vaut mieux l'avoir en ligne de mire, on va aller se mettre à l'abri derrière le bosquet.